Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et c'est quoi cette vidéo? Je vais vous l'expliquer tout de suite. Eh bien, je vais jouer à Akinator, tout simplement. On va tous voir si Akinator peut trouver à les aux personnes que je pense. C'est parti. Alors les amis, voilà, donc j'ai installé le jeu Akinator. Et je vais vous le dire parce que j'ai pas envie qu'il entend. Donc, c'est Adam et Bilal. C'est des youtubeurs. Jouer. Ton personnage est-il un garçon? Oui. Ton personnage... oui. Ton personnage est-il américain? Non. Ton personnage est-il un youtubeur? Oui. Ton personnage fait partie de la team Crouton? Non. Ton personnage vit-il au Canada? Non. Ton personnage fait-il des vidéos sur Minecraft? Je sais pas. Ton personnage a-t-il des cheveux noirs? Non. Non. Ton personnage, oui. Ton personnage raconte-t-il des histoires d'horreur? Bon, je sais pas. Ton personnage est-il lié à Fortat? Probablement. Ton personnage possède-t-il un chien? Non. Ton personnage a-t-il un tatouage sur le bras? Je sais pas. Ton personnage fait-il des vidéos sur GTA? Non. Ton personnage fait-il des vidéos sur Roblox? Non. Ton personnage fait-il des vidéos avec Squeezie? Non. Ton personnage habite-t-il en France? Ah, ils vont déménager à Dubaï. On va dire oui. Ton personnage porte-t-il des lunettes? Non. Ah si! Ah non. Non. Ton personnage est-il papa? Non. Ton personnage a-t-il les cheveux blancs? Non. Oui. Ton personnage a-t-il un lien avec Webedia? Non. Ton personnage est-il un code créateur? Non. Ton personnage est-il principalement sur PC? Non. Ton personnage est-il célèbre grâce à TikTok? Non. Ton personnage fait partie du milieu du jeu vidéo? Non. Ton personnage est-il dans le domaine de la musique? Non. Ton personnage est-il chauve? Non. Ton personnage vit-il avec ses parents? Non. Ton personnage travaille-t-il au Loat? Je sais pas. Rayton. Non. C'est pas Rayton. C'était Adam et Bilal. Donc, non. Donc, oui, on va continuer. Ton personnage habite-t-il à Marseille? Non. Ton personnage a-t-il un rapport avec le milieu du sport? Non. Ton personnage fait-il... Redbox, non. Ton personnage porte-t-il de la barbe? Je sais pas. Ton personnage a-t-il un frère? Bah oui, hein. Ton personnage est-il un duo? Oui. Ton personnage est-il près de Rennes? Je sais pas. Ton personnage est-il noir de peau? Non. Non. Ton personnage a-t-il... un frère aussi connu que lui? Non. Ton personnage fait-il partie d'un duo? Oui. Ton personnage a-t-il souvent les cheveux attachés? Non. Ton personnage est-il arabe? Non. Ton personnage vit-il aux États-Unis? Non. Ton personnage a-t-il les cheveux plutôt longs? Non. Ah si! Si, Bilal, il a les cheveux là. C'est pas grave. Ton personnage fait-il des pranks sur YouTube? Oui. Ton personnage exerce-t-il le même métier que son frère? Oui. Ton personnage vit-il à Rennes? Je sais pas. Ton personnage fait-il des caméras cachées? Oui. Excellent, tu as pensé à un personnage rare. Bravo, c'est ton premier personnage rare. Découvre ton personnage. Ça? Tu penses à Vincent, les enchevêtres? Non. Mais. Oui. Mais. Ton personnage est-il super musclé? Je sais pas. Hein. Ton personnage porte-t-il une grosse barbe? Non. Je sais pas si c'est parce que Adam et Bilal sont pas trop connus ou qu'il est trop nul. Parce que tout le monde connaît Adam et Bilal. Ton personnage a-t-il une frère ou une sœur? Oui. Ton personnage a-t-il une sœur? Oui. Ton personnage a-t-il deux sœurs? Oui. Adam. Bon, oui, on va accepter parce que c'est quand même Adam. C'est pas Adam et Bilal, mais c'est quand même... Ok, bravo! On peut le féliciter. Je lui donne quand même un 8 sur 10 parce qu'il a vraiment pris beaucoup de temps. Mais oui.
Donc là, je vais faire Jenna Ortega. Ton personnage est-il réel? Oui. Ton personnage est-il issu de l'animation japonaise? Non. Ton personnage est-il masculin? Non. Ah oui, et ceux qui connaissent pas Jenna Ortega, et c'est une star qui a joué dans Scream et dans Mercredi, dans Wednesday. Donc voilà. Elle est américaine. Ton personnage, te connais-t-il personnellement? Non, mais j'aurais aimé. Ton personnage est-il un chanteur? Non. Ton personnage habite-t-il en France? Non. Ton personnage est-il un acteur? Oui. As-tu vu ton personnage nu? Non. Ton personnage a-t-il une petite sœur? Ah, ça, je sais pas. Ton personnage a-t-il plus de 35 ans? Non. Ton personnage est-il Harry Potter? Non. Ton personnage figure-t-il dans une série américaine? Oui. Ton personnage a-t-il eu le crâne rasé? Non. Ton personnage a-t-il les cheveux blonds? Non. Ah! Ton personnage apparaît-il dans la série Mercredi? Oui. Ton personnage apparaît-il dans la série Scream? Oui. Tu penses à Jenna Ortega, actrice? Oui. Bravo Akinator. Non, là je lui mets en 9,5. 9,99,9999 sur 10. Alors là, je pense que je vais faire Michou. Voilà. Alors, ton personnage existe-t-il réellement? Oui. Ton personnage est une fille? Non. Ton personnage a-t-il été découvert sur YouTube? Oui. Ton personnage fait-il de la team Crouton? Oui. Ton personnage a-t-il les cheveux blonds? Oui. Ton personnage est-il dans le domaine de la musique? Non. Ton personnage a-t-il participé à Danse avec les stars? Oui. Ton personnage est-il dans la musique depuis longtemps? Non. Ton personnage est-il un chanteur? Non. Ah, voilà. Ton personnage fait-il une carrière de solo de chanteur? Non. Ton personnage est-il féministe? Non. Ton personnage chante-t-il beaucoup de solo? Mais il chante pas. Oui, je pense à Michou, youtubeur. Oui. Ensuite, là, je vais essayer de faire Jana Alipour. Parce que je suis youtubeuse. Donc peut-être qu'il va me trouver. Allez, on essaie, on va voir. Rejouer. Ton personnage est-il une apparence féminine? Oui. Ton personnage a-t-il vu ton visage? Oui. Ton personnage vit-il dans la même maison que toi? Oui. Ton personnage est-il né le même jour que toi? Oui. Ton personnage a-t-il joué dans le trilogie? Non. Ton personnage ressemble-t-il à un garçon? Alors, quand j'étais petite, mais non. Ton personnage a-t-il un numéro de mobile? Non. Ton personnage a-t-il un jumeau ou une jumelle? Non. Ton personnage s'habille-t-il avec des vêtements féminins? Bah oui, je suis une fille. Ton personnage est féministe? Oui. Ton personnage habite à Laval? Je vais dire je sais pas. Ton personnage pose-t-il beaucoup de questions? Ça m'arrive, donc probablement. Ton personnage est-il un familier? Oui, moi je suis beaucoup familière. Ton personnage termine-t-il souvent ses plats avec du sucre? Avec du sucre? Bah, en dessert, oui. Mais pas dans le plat, je vais manger du sucre, mais après, oui. Ton personnage porte-t-il des soutiens-gorge? Non. Ton personnage est-il né au Portugal? Non. Ton personnage vit-il à Strasbourg? Non. Ton ombre, ça fait peur. Mais non, moi je voulais qu'il trouve Jana Alipour. Dégoûtée. Bon, c'est non. On continue. Ton personnage a-t-il le même âge que toi? Oui. Ton personnage est-il une fille? Oui. Ton personnage possède-t-il le corps de quelqu'un? Non. La planète de ton personnage existe-t-elle encore? Oui. Attends, ça fait trop peur la question. Ton personnage est-il né en septembre? Oui. Ta sœur Simoise. Non, mais pourquoi il trouve pas Jenna Alipour? Ton personnage a-t-il le même nom que toi? Personnage comme ta sœur ou ton frère? Non, je suis moi. As-tu les mêmes parents que ton personnage?
Tu portes les mêmes vêtements que toi. Ton personnage est-il un énorme dormeur? Alors, oui ou non? Est-ce que moi je dors beaucoup? Bah après ce matin j'ai bien dormi hein. Mais non, j'aime pas dormir. Ton personnage travaille-t-il sa mémoire? J'ai trop peur. Ton personnage partir-t-il ton corps? Est-ce que j'ai le même corps que mon personnage? Bah oui. Ton âme. Oh, non! Mais dis si c'est une youtubeuse hein. Ton personnage ressemble-t-il une fille? Oui! Pardon. Non, mais parce que ça m'énerve. Ton personnage... Oui! Ton personnage possède-t-il un véhicule? Non! Ton autre personnalité. Mais, waouh, il commence à me saouler. Ah non, j'ai mis oui. J'ai mis oui, je suis bête. Bon, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Ils ont pas mis Jana Ali pour. Bon, c'est pas grave. Bon, là, je vais faire Inox Tag. Alors, ton personnage est-il une fille? Non. Ton personnage a-t-il plus d'un million sur YouTube? Oui. Ou ton personnage fait-il team de la team Croton? Ton personnage a-t-il les cheveux blonds? Ton personnage est-il allé au Mont Everest? Oui. Bah c'est bon là, il a trouvé. Bah oui, c'est Inoxtag YouTuber. Inoxtag. Oui. Je sais pas qui faire là. Je vais essayer de le faire lui. De le faire lui-même. Allez. Lui. Ton personnage est-il un youtubeur? Non. Ton personnage est-il masculin? Bah oui, c'est un garçon. Ton personnage est-il encore célèbre aujourd'hui? Non. Hein. Ton personnage est-il dans la même maison que toi? Non. Si ton personnage le souhaitait, acceptes-tu une relation amoureuse avec lui? Non. Ton personnage fait partie de ta famille? Non. Ton personnage a-t-il plus de 18 ans? Bah... Je sais pas, mais il est vieux, hein, donc on va dire je sais pas. Ton personnage existe-t-il réellement? Non. Ton personnage... Ton personnage a-t-il un rapport avec les génies? Oui. Ton personnage a-t-il élevé des enfants? Je sais pas. Ton personnage est-il ami avec un dinosaure? Non. Ton personnage combat-t-il des creepers? Non. Ton personnage... Oui, une chemise bleue. Oui, il a toujours les mêmes vêtements. Ton personnage a-t-il un bout, une barbichette? Oui. Ton personnage joue-tu avec ton personnage en ce moment? Attendez, parce que ça fait trop peur. Ton personnage a-t-il joué dans des films connus? Non. Akinator. Alligator. Donc les amis, j'avais trop envie de faire cette vidéo, donc je pense pas que je vais le supprimer, le jeu Akinator, mais voilà, je vais le garder, parce que je pense que des fois je vais jouer sur Akinator. En tout cas, télécharger ce jeu, il était trop bien, mais il faisait trop peur, il faisait trop peur, ton âme. Donc j'ai pas compris pourquoi il a dit ton âme. Parce que moi, je voulais me trouver moi, Jana Alipour, grande star. Bref, ça m'a fait hyper peur. En tout cas, ce jeu est trop bien. Téléchargez-le et essayez de trouver des stars ou je sais pas, votre grande sœur ou quelqu'un. C'est trop trop bien. Bref, à la prochaine vidéo. Bye et dites-la, prenez soin de vous.